Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de rangement. Et cette fois-ci, nous n'allons pas ranger du Magic. Nous allons nous occuper de ma toute petite collection naissante de cartes Pokémon. Voilà, des cartes Pokémon que j'ai ouvertes depuis le début d'année. Donc ça a commencé avec du coup Règne de Glace. Et ça va continuer autant que possible et se faire se peut. En fonction de la disponibilité des différentes éditions. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, du coup, Point Fusion, je ne l'ai pas encore reçu, je l'ai déjà commandé, mais elle ne devrait pas tarder. Je ne sais absolument pas quand cette vidéo sera publiée et sortira, mais sachez que voilà, je continue et voilà, je lâche pas l'affaire et je vais essayer de me construire une petite collection au fur et à mesure. Là, ça permet du coup de voir un petit peu ce que j'ai gardé de côté, ce que j'ai du coup dans ma collection. Et bah voilà, de changer un petit peu. Alors pourquoi du rangement? Parce que en fait, dans ce petit classeur, donc j'ai les cartes Pokémon, 25 ans McDonald's. Donc voilà, le starter complet, en fait, les 25 cartes qui du coup étaient disponibles. Je ne les ai pas pris en brillant parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Hein. Voilà, brillant, c'est plus compliqué à avoir. Et puis, c'est juste d'avoir la collection qui m'intéresse au complet. C'est une petite collection, donc. Ça allait vite fait. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a pas beaucoup de rangement, en fait. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pages. Ce qui n'est pas beaucoup. Du coup, j'ai décidé, comme je continue à acheter des nouvelles cartes, des nouvelles éditions, etc., de partir sur quelque chose d'un peu plus grand. Et donc, voici, hop, que je le récupère. Ma future pochette, voilà. Donc on reste sur la thématique. Hein. La Master Ball et le Mewtwo ici. Et donc là, on a un peu plus de choses. C'est un peu plus épais. Je crois combien il y en a. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10, on est à la moitié. Donc il y en a 20 du coup. Donc il y a 20 pages au lieu de 10 de ce que j'avais auparavant. Et donc je vais pouvoir transvaser ma collection, en tout cas une partie de ma collection, dans le classeur Mewtwo. Et y intégrer du coup mes futures cartes à venir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les cartes qui m'intéressent de la Master Ball pour le mettre dans le classeur Mew. Tout. Alors, on va garder les 25 ans là-dedans. On va sortir juste les éditions qui ne sont pas. Enfin, on va laisser les éditions qui ne sont pas, on va dire, du standard. Donc là, on a du Règne de Glace. On a de l'Évolution Céleste. Pas encore de 25 ans, ça va venir. C'est prévu incessamment sous peu pour Noël. Mais voilà, on a pour l'instant deux éditions, Règne de Glace. Et Évolution Céleste, Point de Fusion qui n'est pas encore arrivé comme je vous disais, mais qui ne devrait pas tarder. Donc on va sortir ces petites cartes-là, ça vous permettra aussi de vous les remontrer, de voir un peu ce que j'ai eu sur les différentes éditions. Donc là du coup, je vais vous les montrer un peu mieux en grand, comme ceci. Voilà, donc là on a le petit Brazegali VMAX, carte que j'ai gardée. On a la version ici. Arc-en-ciel que j'ai gardé du Brazegali. Et nous avons aussi le petit Métalos VMAX. Ça, ce sont pour les VMAX. Pour les V, on a 3 V Rennes. Donc, on a l'Articodin. Voilà, le petit Articodin que je trouve magnifique en V. On a derrière le Silveroi. Cavalier d'effroi en image alternative. Et on a la petite Celebi. Voilà, je l'avais trouvée jolie, donc j'ai décidé de garder la petite Celebi. Donc voilà pour les V et les V Max. Et là, du coup, on a des cartes rares, holo, hop, voire même reverse, pour certains, voire même pas reverse. Je ne saurais pas dire, je regardais pour l'ectoplasma. Donc là, du coup, ici, on a le petit Pyrobot, donc holo. On a derrière le Cobaltium Holo. Et pour terminer, on a le Fulguris Holo. Donc voilà, c'est les trois petites cartes rares Holo que j'ai récupérées ici. On en a encore trois autres là. Et le petit ectoplasma qui est reverse. Donc on a
Ectoplasma, moi j'adorais l'illustration, et puis le voilà, je l'ai décidé de la garder en reverse, donc le petit ectoplasma, que je trouve super sympa. On a Chifours, le petit Chifours, pareil, j'ai adoré l'illustration, donc j'ai décidé de le garder. C'est vraiment purement artistique, hein. En aucun cas ce sont des cartes qui sont fortes ou qui coûtent cher ou quoi que ce soit. Ce sont juste des cartes que j'apprécie. C'est purement voilà, une collection de cœur et pas de valeur plus que ça. Et Gardevoir que je trouve magnifique aussi, cette carte-là. Du coup, on a fait le tour pour la partie Ring de glace. Donc, on va trier ça VV Max, Rare Holo et Rare Reverse. On va s'attaquer maintenant à Évolution Céleste. Donc, avec les petites V Max que j'ai récupéré ici. Donc on a le petit Voltali. Je le trouve vraiment sympa. Derrière, on a Mentali aussi que je trouve sublime. Franchement, j'adore les comme ça les VV Max de Pokémon. Je trouve que ces cartes-là sont super belles. Et le Rayquaza V Max Arc-en-Ciel. Donc pour le moment, deux éditions, deux cartes arc-en-ciel de VMAX. Donc je ne sais pas si c'est on va dire une base, une norme. Mais en tout cas, je suis bien content de les avoir. En V, on a Bruyverne que je trouve vraiment super joli, les couleurs et tout. Je trouve que cette carte-là, elle est vraiment classe. Voilà le petit bleu au niveau des ailes, au niveau des oreilles, avec le violet et le noir. Je trouve ça vraiment, vraiment joli. Et derrière, on a le petit Noctali, pareil, qui est assez sympa, avec ses petits yeux rouges et tout. De toute façon, j'adore les évolutions. Voilà, même Evoli reste un Pokémon juste magnifique. Là, pareil, on est sur des petites cartes coup de cœur. Hop, j'arrive à les récupérer. Qu'est-ce qu'on a? On a que de la rare dedans. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là? Le petit Elector de Galar. Pareil, je trouvais stylé. Ça me fait penser un peu à un Chocobo. Donc en holo du coup. Derrière, on a Florges, je sais pas comment ça se prononce. Pareil, Reverse. Enfin holo, pardon. Que je trouve joli. Évolution de Floette. Que je connais un Pokémon que je connaissais pas du tout, et là du coup, on a un Kelurior Reverse. Voilà, j'aimais bien la petite illustration avec sa petite queue qui fait de la peinture et tout, et puis la petite langue qui est tirée. Donc, non, je trouve ça sympa. J'aimais bien l'illustration, j'ai décidé de la garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est de l'autre côté, très bien. Alors, on va devoir sortir ça de l'autre côté derrière, hop, comme ceci et comme cela. Donc, très petite collection, hein, je vous dis, ça fait que deux éditions que je commence. On a un Dialga ici, Holo, pardon, je vais y arriver, hein. J'ai du mal. Hein. Petit Dialga ici, pareil, je l'aime bien ce petit Pokémon, il me parle et tout. Donc, on a derrière un Sulfura de Galar en reverse. Pareil, l'image est magnifique comme ça, noir, rouge, etc. Elle est sublime. On a le Raichu, bien entendu. Raichu, hein, évolution de Pikachu, avec sa petite bouille toute mignonne, moi j'aime bien. Et donc, bien entendu, le Pikachu. Alors, lui en version standard, mais c'est juste parce que c'est Pikachu. Voilà, je l'aime bien, donc j'ai décidé de le garder et le mettre dans ma collection. On va sortir du coup les cartes Jap, qui étaient des cadeaux. On m'a offert. Des boosters japonais et du coup j'ai récupéré quelques petites cartes sympathiques que bah, je vais mettre dans cette petite pochette, je vais les ranger mais voilà, c'est on va dire tout ce qui n'est pas d'édition on va dire standard, donc récente, par exemple les cartes des 25 ans de célébration, je les mettrai sûrement là-dedans. C'est pas une édition, on va dire, standard. Ça me permettra un peu de structurer ma collection. Alors, du coup, j'arrive pas à savoir si c'est. Tiens, maintenant que j'ai ça sous les yeux. Est-ce que c'est la même évolution que. Garde. Elle a l'air d'y ressembler un petit peu. Il y a un petit air de quelque chose. Ça a l'air d'être une évolution alternative de.
Je sais, ou alors c'est pas du tout du tout ça. C'est pas Floret ou je sais pas quoi qu'on a vu là-bas. Je ne sais pas de quel Pokémon il s'agit, ça me perturbe. Non, c'est pas ça, c'est pas Flore, j'ai pas Fouette. Ce Pokémon me dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir duquel il s'agit. On a ici du coup, pareil, un autre Pokémon. Ah, j'aime bien les cartes Jap, elles sont stylées, les petits bords brillants, etc. Tout ça. On a du coup ici une tag team avec Noid Coco et Ibux, je crois, comment il s'appelle. Voilà, j'aimais bien l'image aussi, donc j'ai décidé de la garder. Et nous avons les trois oiseaux légendaires que je préfère sous cette version-là en termes d'artwork, Sulfura, Articodin et Elector, que je trouve plus joli que les versions de Galar, même si les versions de Galar sont sympas. Mais voilà, moi je suis né avec. Enfin, je suis né avec. J'ai connu les premières générations, les premiers Pokémon, surtout les Pokémon légendaires, qui sont ceux-ci sous cette forme-là. Et donc, forcément, le fait de changer, du coup, c'est comment dire, les artworks, les évolutions, les Pokémon, forcément. Ça joue sur le ressenti, quoi. Moi, je suis attaché quelque part à, comment dire, à ces petits Pokémon-là. Donc, après, je suis pas contre une évolution non plus, hein. Mais c'est vrai que voilà, je suis plus attaché à ces versions-là. On va mettre ça comme ça, du coup, maintenant, à ces versions-là, que aux versions justement que comment dire, qui sont plus récentes. Enfin, je pars du principe que c'est des Pokémon légendaires, ils existent qu'en une seule fois, et que du coup, bah voilà, ça existe qu'en une fois, ils sont uniques, et là en fait on apprend plus ou moins, genre, je sais pas comment l'interpréter, hein, mais on apprend plus ou moins que du coup il existe des versions différentes en fonction des pays, en tout cas des zones où on se trouve, ça me fait un peu bizarre quoi. Je me dis, qu'est-ce qui empêche d'avoir un Mewtwo ou un Mew de Galar ou ce genre de choses-là? C'est un peu particulier. Du coup, on va s'occuper de ranger ça. Pour éviter que ça m'embête. Alors, on va commencer du coup par les VMAX en haut et on va descendre au fur et à mesure. Hop, voilà. On va mettre l'arc-en-ciel au milieu. Voilà, je sépare un petit peu ma collection, comme ça laisse un peu plus de place aussi. Ça sera un peu plus structuré. Donc du coup les V ici. L'image alternative au milieu. En plus, elles seront doublement protégées. Une fois en sleeve et une fois dans la pochette. Et du coup, on va s'attaquer ici au holo. Alors, on va mettre Cobaltium, Chiffourse parce que j'aime bien. Et on va mettre Pyrobot. Hop. Un peu de couleur sur cette première page. Voilà, Chiffourse, franchement, je la trouve magnifique, Chiffourse. J'adore l'illustration, j'adore le Pokémon. Pourtant, j'ai jamais joué avec un Chiffourse. Je connaissais pas ce Pokémon avant de le découvrir là dans les extensions. C'est comme Cobaltium, hein. C'est un Pokémon que je ne connais pas, mais du coup je l'aime, on va dire, entre guillemets, déjà. Du coup, on va tourner la page, non pas celle-ci, de l'autre côté, et on va y coller le reste. Donc on a les Argus, plein de Pokémon que je connais vraiment pas, hein. Ça va me faire tout bizarre quand je vais me le relancer vraiment dans le jeu Pokémon, parce que j'ai pour objectif et pour volonté de me lancer dans l'aventure Pokémon avec Arceus, qui est censé, au moment où je tourne cette vidéo, sortir en janvier sur la Switch. Du coup, on va voir si c'est toujours le cas et ce qu'il en est. Du coup, ça va me permettre de remettre un petit peu à niveau. On va s'attaquer maintenant au VMAX Évolution Céleste avec le petit Noctali, l'arc-en-ciel au milieu de Rayquaza et à droite le Voltali VMAX, s'il veut bien entrer. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au V, du coup. On en a deux. Donc, Wyvern
Oui, tu veux bien rentrer. Et Noctalie. Et derrière, on va s'attaquer aux petites holos qui sont au nombre de pas beaucoup. Les holos, on va mettre Dialga ici tout à gauche. Le petit Elector de Galar au milieu. Et un petit Florge tout à droite. Voilà, hop. Et donc on tourne et on va ranger ici le reste, donc c'est-à-dire les Rivers avec Kelorian juste ici, Sulfura au milieu et le Raichu ici. Non, en fait on va pas faire ça comme ça. On va mettre le Sulfura sur le côté, le Raichu au milieu et on va mettre le Pikachu en centré en dessous. Allez, entre, voilà, le Raichu au milieu, et donc le petit Pikachu, j'aurais bien aimé l'avoir en reverse, mais ce n'a pas été le cas, en reverse, et voilà, et donc du coup, là, on a utilisé deux pages pour ranger ça, et ça passe beaucoup mieux, en fait, les feuilles sont épaisses, donc du coup, on peut plus facilement les mettre recto verso que dans l'autre, où en fait, je sais pas si vous, si, je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez, mais c'est plus fin. C'est beaucoup plus fin, et donc c'est pas forcément fait pour mettre du recto verso. Bon, je le fais ici, mais c'est un peu plus compliqué. En fait, les cartes sont collées les unes dernières aux autres. Je veux dire, il n'y a pas une entrée là et une entrée derrière. C'est les cartes des deux sens rentrent du même côté. Donc forcément, elles sont collées l'une à côté de l'autre. Et ça peut peut-être un peu les abîmer ou quoi que ce soit, en tout cas c'est plus compliqué à ranger. Voilà, là je vais laisser ça pour bah là, le 25 ans, Nagdo, les cartes Jap, et derrière on va essayer de remplir, alors peut-être pas l'intégralité de la collection des 25 ans, mais on va essayer de se faire un petit peu, un petit quelque chose avec les 25 ans, essayer de commander une petite valisette pour décembre. Et du coup, je vais essayer aussi de voir si peut-être en reprendre d'autres. Et donc là, derrière, il va y avoir Point Suivant qui va venir se faire ajouter. Puis, les futures éditions Pokémon que j'achèterai et qu'on ouvrira ensemble en vidéo. Voilà, du coup, petite vidéo rangement assez courte, assez simple, basique. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci, et si vous souhaitez suivre mon aventure Pokémon avec l'ouverture de boosters, dérangements, etc., n'hésitez pas non plus à vous abonner. Moi sur ce, du coup, je vous laisse là, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.